Die schmutzigen Füße von Edim Avume. Askia ist nach Paris gekommen, um seinen Vater zu suchen. Und er bekommt auch viele Hinweise zu ihm, etwa von Olia, der Fotografin aus Sofia, die eines Abends in sein Taxi steigt. Aber ist es wirklich er, den er sucht? Askias Suche erzählt Edim Avume in seinem Roman Die schmutzigen Füße. Der Autor aus Lomé in Togo lebt in der Quebecer Region Outaouais. Bonjour Edim. Mais bonjour Stéphane, c'était un plaisir de te voir enfin, en vrai. C'est la même chose ici parce que je ne t'ai jamais vu encore. Oui, c'est très joli de te voir et moi je connais tes livres, bien sûr, je les traduis les deux. Et maintenant, essayons de parler un peu sur les pieds sales. Comment tu as trouvé l'histoire de ce livre? Comment tu as trouvé les caractères, les figures? Les endroits. Donc j'ai eu un peu à cheminer, à observer des choses, des gens, une actualité. Ce fut aussi l'époque où on parlait beaucoup de ces jeunes qui quittaient leur petite ville, leur petit pays d'Afrique et qui essayaient un peu de tenter l'aventure européenne. Et je me suis retrouvée dans le port de Tanger. J'ai croisé des gens, j'ai croisé des candidats à l'aventure européenne, donc des gens qui voulaient traverser le détroit pour le rêve européen, le rêve espagnol. Mais c'est aussi en pensant à ces jeunes qui, à Lomé ou à Dakar ou à Abidjan, se tiennent sur le bord de mer, sur le bord de l'Atlantique et qui regardent le grand large, qui sont tentés pas par le voyage, parce que là-bas, la vie reste très dure, très compliquée. Économiquement, politiquement, il y a une violence omniprésente et ils veulent partir. Donc c'est en pensant aussi à cette question du départ. C'est pour ça qu'on voit dans le roman un personnage qui quitte quelque part sur la côte ouest et s'en va tenter donc, l'aventure européenne à la recherche de son père. Il lui fallait un prétexte, oui, absolument. Mais la recherche devient très tôt une recherche mythique, mythologique. Parce que ce n'est pas la recherche d'un jeune homme pour son père concret, mais c'est la recherche de nous tous pour nos origines. Oui, absolument. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu orphique hein, dans cette quête, dans ce voyage-là. Donc finalement, il est parti à la recherche de lui-même, de sa propre rêve. C'est une façon aussi pour lui, pour le personnage principal, pour Askia, eh bien, d'affronter ses propres peurs pour arriver à une certaine lumière. Oui, le style de tes livres est vraiment particulier parce que tu échanges entre une description très, très neutrale et après tu rends des choses qui sont beaucoup plus poétique, tu utilises les mêmes mots dans un livre. Par exemple, tu as le mot la peau dans les pieds sales, dans des endroits très très différents et avec une connexion différente chaque fois. C'était très difficile de traduire ça parce que il y a des utilisations symboliques qui ne nous n'avons pas et c'était assez difficile. Est-ce que c'était un procès qui tu as travaillé sur, qui s'est développé? Non, pas vraiment. Mais là, on parle du mot peau, hein, la peau. Hein, tu parles de la peau, mm-hmm. C'est bien compris. Oui. Non, je veux dire que chaque roman, chaque projet vous impose ou bien vous met plus ou moins sur le vous impose une écriture, une démarche. C'est-à-dire que si l'histoire est différente, nécessairement, on est confronté à des personnages différents qui vont porter à une colère, un espoir différent selon le contexte. Mais la peau, je me rappelle ces années 90 au Togo, il y a eu des périodes assez violentes. On manifestait, on nous réprimait. Moi, je suis partie à des manifestations, je suis rentrée avec ma chemise en sang. Et longtemps, et même, je dirais, encore aujourd'hui, eh bien, il nous faut protéger notre peau. Voilà. Et donc, la peau, oui, la peau, il nous fallait la protéger. Il nous fallait la protéger contre ces balles perdues
qui pouvait rentrer dans n'importe quel corps, dans n'importe quelle peau. J'essaie un peu de subvertir un peu cette langue pour la rendre un peu mienne. J'essaie d'inscrire dans cette langue, je veux dire, un rythme autre qui répond peut-être aux colères et aux espoirs particuliers que je porte. Il y a beaucoup de photographes dans tes livres, parce que Sonia aussi, dans Les Pieds Sales, est une photographe aussi de Bulgarie, une personnage fascinante, je trouve, très très bien construit et très intéressant. Mais tu aimes la photographie ? J'aurais voulu être photographe, mais vous savez, mais tu sais, je n'ai pas ce talent. Tout ça aussi est relié à mon enfance, à mon adolescence, à ce temps au Togo où, eh bien, des fois, parce que c'était dur, on se réveillait avec des corps qui traînaient dans les rues. Et une certaine armée se dépêchait de faire disparaître les traces du massacre. Mais certains photographes, des journalistes très courageux, arrivaient à photographier ces corps avant qu'on les fasse disparaître. Donc la photo, c'est une hantise. C'est aussi, et dans l'écriture, c'est une façon de fixer des choses. Au moins, peut-être de façon assez tentative, assez désespérée, mais c'est cela aussi. C'est mon obsession. Comme si, à travers la photo, eh bien, je pouvais empêcher certaines images, une certaine vérité de fuir. Et donc... Et dans ma démarche aussi, j'essaie de plus en plus, je fais de petits chapitres, de construire un peu des chapitres assez courts, comme des images, comme des instantanés, comme ça. Pour moi, c'est très significatif hein, que d'être traduit en allemand. Ça a du sens. Je ne te l'ai jamais dit, mais j'ai fait l'allemand. J'ai étudié l'allemand pendant 3 ans. Le Togo est une ancienne colonie allemande. Oui, oui, oui. Donc... Oui. Et puis, mon arrière-grand-père, hein, qui s'appelait Johannes, était un traducteur hein, pour les premiers missionnaires allemands qui ont vécu au Togo. Donc, pour moi, ça a un sens énorme que d'être traduit en allemand. Mm-hmm. Ah, je ne savais pas. tu l'aurais me dit, parce que d'après, je t'aurais envoyé ma traduction pour la lire. Non, je ne suis pas compétente. Non, j'ai fait 3 ans, mais j'ai oublié beaucoup de choses, oui. C'était mes premières traductions du français. Moi, j'ai traduit beaucoup de livres de l'anglais, mais jamais du français, mais j'avais toujours voulu faire ça. Je dois dire que je suis très impressionnée par ton regard quasiment clinique, parce que j'ai des traductions en espagnol ou en anglais, donc souvent j'interagis avec les traducteurs et ils me reviennent avec des questions. Mais quand toi, tu me poses une question, tu fais une remarque, je vois que, oh mon Dieu, tu lis vraiment, donc tu lis ce qui est caché. C'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup donc pour ce voyage quelque part entre l'Afrique, l'Europe et le Canada. Merci à toi.